Tout sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens, une photo avec Marcel. Abonnez-vous à la chaîne de José. Parlez les beurrailles, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Bref, la semaine olympienne, on commence tout de suite. J'ai pas pu te sortir de vidéo, ça fait une semaine depuis la dernière semaine olympienne que j'ai pas sorti de vidéo. Oui, les cours ont repris. Donc, j'ai pas eu trop le temps, il a fallu que je m'en remette dans le bain. Ce week-end, pas de vidéo, j'ai fait la bringue, enfin, samedi la bringue jusqu'à 3h du matin, j'étais chez des amis, enfin, pour l'anniversaire d'un pote, d'un ami. Dimanche, j'étais encore chez lui toute la journée, chez des amis, donc bref, la bringue, dimanche, j'étais pas chez moi, je suis jamais chez moi, à croire. Puis j'ai fait du sport, José se remet au sport. Bref, samedi avant de partir faire la bringue. Et aussi j'ai fait, donc il va falloir que je fasse mes devoirs, donc pas trop de vidéos. En tous les cas, voilà, Tomb Raider, on va essayer d'y finir, malgré qu'il y a le jeu qui sort dans 2 jours au moment où je tourne la vidéo, on est mardi, mercredi, jeudi et vendredi, pardon, 3 jours, mais ça se trouve, je serai disponible dans 2 jours. Allez voir dans les magasins, on ne sait jamais, FIFA, je sais que ça sort 1 jour à l'avance. À chaque fois, donc peut-être Tomb Raider aussi, c'est un gros événement. Voilà, pour quelques petits trucs, bref, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre, pas du tout, rien d'autre, il n'y a pas Arthur là sur cette vidéo, oui, puisque les transferts sont finis, enfin, on a eu des belles recrues quand même, à vrai dire, avec Moussa Dembélé, Mamillon, c'est la seule belle recrue, je dis des belles recrues, l'autre, là, Lenny Pintor, 10 millions, ça fait un peu cher quand même, j'ai compté les bonus, hein, avec... 22 millions compris bonus pour Moussa Dembélé, le frère d'Ousmane Dembélé, le grand frère. Et 10 bonus compris pour Lenny Pintor. On a eu Martin Terrier qui avait signé déjà depuis le mois de décembre, depuis le mois de janvier. Mois de il y avait aussi, comment il s'appelle, Léo Dubois, pareil. On va pas revenir dessus. Bref, voilà, les transferts, les infos mercato reviendront à mon avis début décembre ou mi-décembre, voire... les petites rumeurs qu'il pourrait y avoir à un mois de l'ouverture du marché des transferts, malgré que s'il y a vraiment des rumeurs ou des officialisations faites pour directement préparer le marché des transferts, enfin que des officialisations sont faites et que le joueur arrive au marché des transferts, que ce soit l'été prochain ou en hiver, entre les deux transitions ou cet hiver, je vous le dirai. Place au reportage, documentaire, comme vous voulez, Doc Mike, le magazine, tout de suite. Donc les amis, une seule partie aujourd'hui, c'est la partie info. Donc on va revenir sur l'affaire encore une fois, Bruno Genesio. Et le programme qu'il y a eu cette semaine. L'académie, un peu tout ça, tout de suite. Donc il y avait du coup les... les sélections, donc Memphis, Pacek, Djebabouar, Traoré, Nabil Fekir, Lucas Touzard, Tanguy Ndombele, il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié, étaient en sélection, donc Traoré, Cornet aussi, donc il y avait donc pas eux à l'entraînement, donc la semaine, comment ça s'est passé, lundi repos, mardi entraînement à huis clos, mercredi entraînement à 10h30, on ne savait pas si ça était à huis clos ou pas, je n'ai pas eu d'informations, pareil pour jeudi à 10h30, pas eu d'informations, vendredi à 10h30 c'était huis clos, samedi repos, dimanche repos, voilà, après la défaite face à Nice, il fallait se remettre dans le bain sans les internationaux. Bon, il y a eu une petite surprise, si Lopez n'a pas été pris en sélection, je trouve ça n'importe quoi, même si le Portugal en les regardant, j'ai vu qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient pas mal joué le gardien, Rui Patricio, à part l'Euro qu'il a fait, autrement, il n'est pas sensationnel comme gardien, mais c'est qu'un avis, donc, pour info, alors l'OL vend encore son pack 3 matchs de Ligue des Champions, oui car ils ont fait appel, donc ils disent que ce serait plus facile de remplir le stade maintenant et s'ils ont gagné cause, ou de à place de le remplir 48 heures avant. Ils diraient que s'ils peuvent pas faire appel, s'ils n'ont pas gagné cause, on verra avec le TAS, tribunal arbitral du sport, et s'ils peuvent pas, bah, il y aura une compensation ou un remboursement. J'espère pour moi que ce ne sera pas une compensation comme ils avaient fait avec les Bad Guns à l'époque pour le match 1-1 où il fallait payer 10 euros de plus et des conneries et des machins. C'est n'importe quoi ce truc. Alors,
Nabil Fekir en sélection, il a joué 5 minutes pour la France, ça je sais. Un quart d'heure, pardon, il est rentré à la 75e à peu près pour le premier match, il était face à l'Allemagne. Donc ça a fait 0 à 0. Les autres ont aussi joué. Mais bon, parlons de l'affaire Bruno Genesio. Donc il y a des on-dit qui diraient que c'est Genesio qui a cherché la bagarre, entre guillemets, je vais mettre ça. Mais parce que quelqu'un lui avait demandé de prendre une photo avec lui, il a dit non. Et donc la personne a dit bah je vais aller prendre une photo avec ta fille du coup. Voilà, comme toi tu veux pas. Et ça serait parti en pagaille à cause de ça. Un peu bête, je trouve ça. Bon, l'affaire va pas s'arrêter là, à mon avis. Plein de gens sont avec lui, contre lui. Moi, j'ai pas d'avis, je veux pas donner mon avis. Il est bon pour être avec les jeunes, mais quand c'est des joueurs un peu plus d'expérience, il faudra un meilleur coach à l'OL. Bah, voilà, j'ai donné mon avis. Peut-être il est encore jeune comme coach, il va peut-être s'améliorer, mais c'est pas un coach qu'il faut à l'OL. Jean-Michel Aulas a dit, il y a un on-dit qui dit ça, qu'il voudrait pas de coach étranger. Bon, voilà, donc les résultats féminines, 4 à 0 face à Soyo à Lyon. Voilà, les matchs sont sur Foot Plus et Canal, sur les antennes du groupe Canal. National 2, l'OL perd 2 à 0 pour l'Académie lyonnaise chez les garçons face à l'US Handball catalan. Une belle reprise pour les U14 qui gagnent 3-0 contre Eben. Festival de but à Pontarlier, 7 à 0 pour les jeunes de l'OL. Pour les U19, un coup d'arrêt 2-1, défaite de l'OL. Bref, on va pas revenir là-dessus. Voilà pour ce flash. Donc il n'y avait pas trop de. Ah, bah, le mercato c'est fini. Donc on reviendra avec le mercato à partir de début décembre, à mon avis, pour parler un peu des on-dit à un mois de l'ouverture du mercato. En tout cas, voilà pour le retour de José. Alors voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, il y avait une question qui avait été posée. Bah, d'ailleurs, quand je devais partir faire la bringue, quoi, j'étais bien habillé et tout. Bon, bref, dites ce que vous en pensez, répondez à la question, allez-y. Bon, il y a mon Instagram qui a dû s'afficher au début de vidéo, bref. Et mettez un maximum de likes, abonnez-vous, mettez la cloche pour savoir quand les vidéos sortent, partagez un maximum tout ça, faites un peu de pub pour la chaîne pour qu'elle s'agrandisse. Je vous en dirai pas plus si vous voulez pas, c'est pas grave. C'est juste comme ça me ferait plaisir moi, si vous voulez pas, je m'en fiche. Ça rentre là, ça sort là. Et puis, voilà. Donc, mettez un maximum de likes, comme je vous dis. Je me répète! Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et à la prochaine, les amis. Ouh là là!